J'ai entendu dire que ce micro était le meilleur micro en bas de 100$. Donc, c'est ça qu'on va unboxer aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Crémon-Massacre-15 de retour dans une autre vidéo. Parce qu'aujourd'hui, ben, comme je l'ai dit dans l'intro, je vais unboxer ce micro-là. C'est le micro AmpliGain de Keyfine. Donc ça, le micro, il ressemble à ça ici, sur le, comme vous pouvez voir sur l'image ici. Dans le fond, il y a du, ben, il y a des LED dedans. Fait que c'est ça. Fait que c'est quand même cool. Fait que la boîte, en commençant, est pas mal belle, hein, comme vous pouvez voir. En arrière, il y a ça, c'est qui montre ce que ça peut faire. Puis en avant, on met une photo du micro. Bon, là, on va ouvrir la boîte. Puis en passant, ce micro-là, il m'a coûté 65$ sur Amazon. Comme d'habitude, je vais laisser le lien pour acheter le micro dans la description sous la vidéo. Donc, là, la boîte comme ça. Et en dedans, il y a un petit papier pour qui montre comment le connecter. Puis je vais jouer avec les paramètres sur mon ordi. Et ici, ben, il y a un petit tiroir pour protéger le micro. Oh, oh my god. Le micro, il est vraiment nice. C'est ici dans la boîte, avec le fil ici, c'est USB-C à USB. Et ici, le micro. Oh my god, le micro. La qualité, c'est quoi? Ça, c'est du plastique, mais je sais pas si ça va être bon. J'ai entendu dire plein de bons trucs sur ce micro-ci. Fait que ça ici, c'est un filtre pop. Je pense que je peux l'enlever comme ça ici. Je veux pas l'enlever parce que je veux pas le briser. Mais oui, ça s'enlève. Fait que c'est ça, ça ressemble à ça. Il y a tout le tour dans la boîte. Je vais laisser ici sur l'instant, sur le côté. Et ça, ici en dessous, il y a un truc pour ajuster le volume du micro. Et il y a tout le tour en bas. Ah oui, il y a un petit trépied comme ça ici. On va l'ouvrir, le petit paquet. Alors, comment les trépieds, ils sont pas tout en bonne qualité, là, parce que, comment le 60$, ils sont concentrés plus sur le micro. En vrai, le trépied, il est quand même bon, hein. Il est fait genre en métal, là, quand même. Je pense que c'est du bon métal, quand même, là. Parce que, ouais. C'est fait, je pense que c'est quand même un bon métal. Là, on va le visser dessus, ici, pour voir ça ressemble à quoi. Et ça ressemble à ça, ici, cassé sur le trépied. Donc, je parlerai de même, comme ça. Puis normalement, ben, c'est ça, c'est pour être lui codé, là. Là, on va le brancher à mon sel. Ben, premièrement, il y a d'autres choses dans la boîte. Je pense pas qu'il y a d'autres choses, hein. Non, c'est juste un gros bloc de styrofoam. On en a plus besoin de la boîte. Fait que là, c'est ça. Là, je vais le brancher à mon téléphone, parce que c'est avec ça que je filme. Bon, fait que je l'ai testé sur mon iPhone. Ça marche pas, je sais pas pourquoi. Après moi, ça doit juste être le micro qui prend trop d'énergie de mon sel parce que justement, faut que ça allume des LED sur le micro aussi. Mais après moi, c'est ça. Fait que là, ben, dans le fond, je vais aller l'essayer sur mon ordi. Puis en même temps, je vais comparer mon ancien micro que j'utilise sur mes deux gaming et mon, ce micro-là pour voir c'est lequel le meilleur. Bon, maintenant, je suis sur mon ordi. Comme vous pouvez voir, j'ai branché le micro. Et oui, il marche très bien. En ce moment, je record avec ce micro-là. Je sais pas si ça marche bien ou pas, si le son est bon. Mais là, pour l'instant, ça, ça ressemble à ça si je suis proche, comme ça. Exemple, si je dis plein de P, patate, pizza, quoi d'autre, là, quoi dire d'autre, mais en tout cas, je sais pas si ça marche bien, là, le pop filter, en tout cas. Fait que ça fait ça, quand je suis de proche, puis si je m'éloigne comme ça. Allô, j'espère que ça va bien. Je sais pas si ça marche aussi bien. Mais celle-là, je peux muter en tapant dessus comme ça. Allô, j'espère que ça va bien. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas si ça marche bien ou pas. Là. Fait que c'est ça l'audio du micro, de ce micro-là. Là, je vais passer pour comparer à mon autre micro, le micro que j'utilise d'habitude pour mes autres vidéos. Et maintenant, là, je suis sur mon autre micro, j'ai le micro que j'utilise avant. Fait que là, je sais pas la différence. Allô, allô, allô. Là, si j'essaie les mots qui commencent par P, parce que là, j'ai pas le pop filter, j'ai juste une mousse par-dessus. Exemple, patate, pizza, un truc de même. En tout cas, fait que là, ça, en passant, j'ai mis zéro filtre dessus les deux micros. Fait que normalement, c'est l'audio comme qui sort du micro directement. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais revenir à l'autre micro. Bon, fait que là, je suis de retour sur l'autre micro. Ben, le micro que j'ai unboxé aujourd'hui. Puis, surprenamment, j'ai écouté la qualité de micro des deux. Puis, celui-là, il sonne un peu mieux. Sérieusement, je suis surpris parce que celui-là, comme j'ai dit, il m'a coûté 65$. Et l'autre, il coûtait 82$ sur Amazon. Donc, c'est quand même une différence de plus de 20$, puis lui, il sonne mieux. Je sais pas, peut-être c'est parce que lui, il n'y a pas de mousse par-dessus, puis il y a juste un pop filter, fait que c'est ça. En tout cas, fait que celui, il sonne mieux. Puis en passant, j'ai oublié de tester tantôt. Il y a comme une roulette ici, comme j'ai dit tantôt, pour acheter du son. Fait que là, je vais tester. Fait que l'exemple que je vais tourner vers le sens des aiguilles d'une horloge pour voir ça fait quoi. Bonjour, 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 bonjour. Ok, ça monte le son. Puis là, je vais descendre. Bonjour, 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 bonjour. Là, vous m'entendez.
Mais celle-là, je l'avais mis, je l'avais descendu au max, fait que vous m'entendiez pas. Pendant que j'étais en train d'éditer la vidéo, je me suis rendu compte que les LED, on les voyait pas très bien. Bon, la couleur, on la voit moins bien sur ma webcam parce que j'ai pas la meilleure webcam. Fait que ça, en ce moment, je vous montre des vidéos, là, des LED. Puis dans le fond, c'est à ça qu'ils ressemblent. En tout cas, fait que là, le micro, je trouve que sonne vraiment bien. Fait que ça, comme j'ai dit au début de la vidéo, je vais laisser le lien si vous voulez l'acheter dans la description en dessous de la vidéo. Fait que ça va pas mal être ça pour la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez beaucoup aimé la vidéo, ce serait gentil de laisser un like. Et si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça prend 2 secondes et c'est gratuit. Fait que c'est ça. Fait qu'on va se voir la prochaine fois. Bye bye!